Bonjour, cette vidéo consiste en un exercice corrigé d'électrostatique dont l'objectif est de déterminer le champ et le potentiel électrostatique créé par une nappe de dimension infinie et uniformement chargée, dite aussi plan infini uniformement chargé. La méthode que je vais utiliser pour déterminer le champ électrostatique est celle du théorème de Gauss sous sa forme intégrale. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment déterminer ce champ par une autre méthode. Dans une telle vidéo, j'ai déduit le champ créé par un plan infini uniformément chargé à partir de l'expression du champ créé par un disque uniformément chargé. Et l'expression du champ créé par le disque uniformément chargé a été déterminée par la méthode du calcul direct. Ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser les liens dans la boîte de description ci-dessous. Alors, commençons par lire l'énoncé. Considérons une nappe de dimension infinie uniformément chargée avec une densité surfacique de charge sigma supposée positive. La nappe est contenue dans le plan X ou Y. Première question. Détermine la direction du champ électrostatique E de M créé par cette nappe chargée ainsi que des variables dont il dépend. Deuxième question. Par application du théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique E de M en tout point M de l'espace. Troisièmement, déduire alors le potentiel V de M en tout point M de l'espace. Pour commencer, et d'après la forme géométrique de la distribution de charge, il est clair que le système de coordonnées cartésiennes est le système le plus adéquat. Pour ceci, je vais accorder la base x, y, z et le champ électrostatique va dépendre des trois variables cartésiennes x, y, z. Comme toute grandeur vectorielle, le vecteur champ électrostatique dans le cas le plus général va avoir trois composantes, ex, ey, ez, et ces composantes vont dépendre des variables cartésiennes x, y, z. Donc la forme la plus générale du champ électrostatique va être celle-ci. Alors j'ai bien dit que c'est la forme la plus générale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout dépend de la symétrie de la distribution de charge, c'est-à-dire du système qu'on étudie, ce champ peut ou non avoir des composantes nulles, comme il peut ne pas dépendre d'une ou deux variables. Voire même, dans le cas d'un champ uniforme, ce champ peut ne pas dépendre d'aucune de ces trois variables. Commençons alors par l'étude de cette symétrie. Je vais commencer par les variables dont dépend ce champ E. Et pour déterminer les variables dont dépend ce champ E, je vais vous rappeler le principe de Curie. Que dit le principe de Curie? Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. C'est-à-dire quoi ces mots? Dans notre cas par exemple, on a une distribution de charge. Qu'a fait cette distribution de charge? Elle a créé un champ et un potentiel électrostatique. Donc, regardez, la distribution de charge a joué le rôle des causes qui ont pour effet la création du champ du potentiel électrostatique. Donc, le champ et le potentiel électrostatique ont joué le rôle des effets. Alors, que dit le principe de Curie? Lorsque ces causes présentent quelques symétries, ces symétries doivent se retrouver dans les effets. Alors, ceux qui n'ont pas bien compris ces mots vont les comprendre lorsqu'on va appliquer ce principe pour notre distribution de charge. Donc, revenons à notre distribution de charge. Remarquez que notre distribution de charge présente une invariance pour toute translation parallèle à l'axe des X. C'est-à-dire quoi? Si on prend un point P quelconque de la distribution de charge et on effectue une translation parallèle à l'axe des X, on va obtenir un autre point P'. Si on compare maintenant la distribution de charge qui entoure le point P et celle qui entoure le point P', on va remarquer que sigma de P égale à sigma de P'. Et c'est quelle que soit la translation parallèle à l'axe des X. Donc, on dit que notre distribution de charge présente une invariance. Elle reste invariante pour toute translation parallèle à l'axe des X. Comme la cause qui est notre distribution de charge reste invariante, ne change pas par toute translation parallèle à l'axe des X, alors automatiquement les effets, c'est-à-dire le champ et le potentiel électrostatique, ne doivent pas dépendre de la variable X. Alors ici, puisqu'on cherche les variables dont dépend le champ E, on va dire que le champ E ne doit pas dépendre de cette variable X.
Si on revient maintenant à la forme la plus générale du champ électrostatique, on va éliminer maintenant le X et on va dire que le champ ne dépend pas de la variable X. Remarquez maintenant comment on a commencé à simplifier le problème. Au lieu d'avoir un champ qui dépend de trois variables, on a pu montrer que le champ ne peut dépendre qu'au maximum deux variables. Maintenant, nous remarquons aussi que notre distribution de charge présente une invariance par toute translation parallèle à l'axe X, Y. C'est-à-dire quoi? De la même manière, si on prend un P quelconque de la distribution de charge, n'importe où, et on effectue une translation, dans cette fois-ci parallèle à l'axe X, Y, on va obtenir un autre point P seconde. Si on compare la densité de charge entourant le point P et celle entourant le point P seconde, on se rend compte que le sigma P égale à sigma P seconde. Donc, notre distribution de charge ne change pas par toute translation ou bien reste invariante par toute translation parallèle à l'axe des Y. Comme la distribution de charge ne dépend pas de la variable Y, alors le champ E ne doit pas dépendre de la variable Y, comme dit le principe de Curie. Donc la symétrie qui existe dans la cause doit se retrouver dans l'effet. Revenons maintenant à cette expression et on va dire que le champ E ne dépend pas de la variable Y. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'on peut dire que le champ ne dépend pas de la variable Z? On revient à notre distribution de charge. Est-ce que notre distribution de charge ne dépend pas de la variable Z? Si, cette distribution de charge dépend de la variable Z. En effet, si on prend un point P quelconque de la distribution de charge et on effectue une translation parallèle à l'axe des Z, on va obtenir un point qui n'est entouré d'aucune charge. Donc, en conclusion, on va dire que notre champ électrostatique ne dépend que de la variable Z. Maintenant, je vais passer à terminer la direction par laquelle est porté le champ électrostatique, mais avant, je vais rappeler la relation entre le champ électrostatique et les plans de symétrie pour la distribution de charge. Et plus particulièrement, je vais considérer les plans de symétrie paires. Pour ceci, je vais prendre comme exemple un parallélépipède rectangle uniformement chargé. Il est clair que ce plan rose est un plan de symétrie paire pour cette distribution de charge. Afin de simplifier la représentation, je vais adopter la vue de face. Alors, dans ce cas, la distribution de charge va être représentée par ce rectangle bleu et le plan de symétrie paire va être représenté par ce trait rose. Alors, soit maintenant deux points P et P' symétriques par rapport au plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Si par exemple le champ électrostatique E de P est caractérisé par ce sens, par cette direction, par cette valeur, automatiquement le champ électrostatique au point P' va avoir ce sens, cette direction, cette valeur, de sorte que EP' est le symétrique de E de P par rapport à ce plan. Je représente ici d'autres situations qui montrent que le champ est symétrique par rapport au plan de symétrie paire pour tous deux points symétriques. Par exemple, le point N et N', regardez comment ces deux champs électrostatiques sont symétriques par rapport au plan de symétrie. D'autres exemples, le point K et point K', et ici le point L et L'. Maintenant, cette propriété conduit au fait que pour tout point M appartenant au plan de symétrie paire, tel que ce point M, le champ électrostatique E de M est contenu nécessairement dans ce plan. Pour voir comment cette propriété a conduit à cette constatation, vous pouvez revenir à une précédente vidéo que je vais laisser son lien dans la boîte ci-dessous. Donc, quel que soit le point M appartenant au plan de symétrie paire pour une distribution de charge, le champ électrostatique E de M est contenu nécessairement dans ce plan. Revenons maintenant à notre distribution de charge. On peut donc facilement remarquer que pour tout point M de l'espace, le plan M, Y, UZ, c'est-à-dire ce plan bleu, est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge.
Pour mieux voir ce plan, on peut faire la vue de dessus. Donc, regardez ce plan, cette distribution de charge, et regardez ce plan, il est représenté par ce trait bleu. Alors, si on prend un point P quelconque de la distribution de charge et on effectue son symétrique, donc je trouve un point P', je remarque que sigma P égale sigma P'. Donc, ce plan est bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Comme maintenant le plan Pi M, U, Y, U, Z est un plan de symétrie paire, le champ électrostatique appartient nécessairement à ce plan et par conséquent, la composante du champ électrostatique perpendiculaire à ce plan va être nulle. Donc, si le champ dans le cas général s'écrit EX, UX plus EY, UY plus EZ, UZ et E appartient à ce plan, donc il n'a pas une composante parallèle à UX. La composante perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire celle qui est portée par UX, va être nécessairement nulle. En fait, vu la forme de cette distribution de charge, tout plan contenant l'axe des Z est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. À titre d'exemple, le plan MUX UZ est bien un plan aussi de symétrie paire. Donc, si on le représente en vue de dessus, il est comme ça. Tout plan contenant la direction UZ est bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Ce sont des plans de symétrie paire, donc le champ électrostatique appartient nécessairement à tous ces plans. Il appartient par conséquent à leur intersection et par conséquent, le champ électrostatique va être porté par UZ. Donc, même la composante EY est nulle et comme conclusion, on peut dire que la seule composante non nulle est EZ ou bien le champ électrostatique est porté par UZ. Donc, jusqu'à maintenant, on a montré que le champ électrostatique ne peut pas dépendre de X, ne peut pas dépendre de Y, il dépend uniquement de Z. Et puis, on a montré que la composante EX est nulle, la composante EY est nulle, la seule composante non nulle, c'est EZ. Donc, en conclusion finale, on peut dire que le champ électrostatique est porté par UZ et ne dépend que de Z. Puisque la seule composante non nulle, c'est EZ, je peux l'écrire tout simplement E. Donc, E de M égale E de Z, UZ. D'autre part, on peut facilement remarquer que le plan de la distribution de charge, c'est-à-dire le plan O, UX, UY, est bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Par conséquent, pour tout point P quelconque de l'espace, son symétrique P' par rapport au plan de la distribution de charge ou bien au plan OX, UY, si le champ EP est représenté dans ce sens, dans le sens des Z positifs puisque sigma est positive, alors automatiquement E de P' va être symétrique, de sorte que E P' égale à moins E de P. Or, P et P' sont caractérisés par Z de P' égale à moins Z de P. Donc, je peux écrire que E de moins Z égale à moins E de Z. Après avoir fait cette étude de symétrie, on va pouvoir maintenant appliquer le théorème de Gauss afin de terminer le champ électrostatique créé par notre distribution de charge. Le théorème de Gauss s'écrit: le flux de EDS sur une surface fermée égale la somme des charges intérieures à cette surface fermée sur epsilon 0. Il nous faut maintenant un choix judicieux pour cette surface de Gauss. Donc, on va choisir pour ceci un cylindre d'axe parallèle à l'axe des Z et de hauteur de Z. Et le plan X ou Y est un plan qui coupe le cylindre en deux parties identiques, comme le montre cette figure. Le choix de ce cylindre est bien un choix adéquat, comme vous allez voir lorsqu'on va développer le calcul. Et pour mieux comprendre comment choisir cette surface de Gauss, vous pouvez revenir à une précédente vidéo où j'ai bien expliqué comment choisir la surface de Gauss qui nous permet d'appliquer ce théorème. Bien, je commence maintenant par développer le premier membre. Donc, cette surface fermée est formée par trois surfaces. La première surface de base, donc c'est double intégrale EdS B1
Avec SB1, c'est la surface de base du cylindre, la première surface de base. Le vecteur DSB1, c'est un vecteur surface élémentaire, donc il est représenté ainsi. Il est porté par UZ et le champ électrostatique est bien porté par UZ, comme on a montré dans l'étude de la symétrie. Deuxième intégrale, c'est le double intégrale sur la surface latérale du cylindre avec la surface latérale, c'est celle-là, et DSL, c'est le vecteur surface élémentaire, il est ainsi, donc il est orienté ainsi. Et le vecteur champ électrostatique partout dans l'espace, il est porté par UZ. Comme on a montré dans l'étude de la symétrie. Donc, remarquez ici comment le champ et le vecteur surface sont perpendiculaires. Donc, le produit scalaire, ça va donner un zéro. Et troisième surface pour terminer toute la surface fermée, c'est la surface de base numéro 2, c'est-à-dire cette surface. D'élément de surface, le vecteur élément de surface DSB2, il est représenté ainsi, il est orienté vers l'extérieur ainsi, et le champ électrostatique est toujours porté par UZ et va être symétrique au champ électrostatique au niveau de la première surface de base. Bien, alors on commence par calculer la première intégrale. Donc on a trois termes. Le premier terme ou bien la première intégrale s'écrit. Donc je remplace le vecteur champ électrostatique par son expression qu'on a montrée lors de l'étude de la symétrie. Donc il s'écrit E2Z UZ. Et le vecteur DSP1, il s'écrit DSP1 UZ. Il est porté par UZ. UZ UZ donne un 1. Et maintenant, sur cette surface, c'est une surface parallèle à x ou y, donc elle est caractérisée par z constante. E qui ne dépend que de z, donc E est une constante. On trouve alors E de z double intégrale dSB1 sur toute la surface SB1 n'est autre que SB1. Après avoir calculé la première intégrale, je passe maintenant à la seconde intégrale, c'est-à-dire double intégrale de E dSL sur toute la surface latérale. Je remplace E partout dans l'espace, il est porté par UZ et dSL, c'est un vecteur surface élémentaire, donc il est perpendiculaire à la surface élémentaire. Il est parallèle au plan X ou Y et par conséquent, il est perpendiculaire à UZ. Zn, produit scalaire, vaut 0, donc par conséquent, cette intégrale est nulle. Je passe maintenant au calcul troisième intégrale, donc double intégrale E dSB2 sur la surface de base numéro 2, celle-là. Je remplace maintenant E de m par son expression. Or, comme les points de la surface de base numéro 1 sont caractérisés par Z, tous les points de cette surface, puisque c'est symétrique par rapport à celle-là, sont caractérisés par Z' qui est égal à moins Z. Donc E de moins Z, UZ. DSB2, regardez, DSB2, c'est un vecteur de surface sortant, donc il est orienté selon moins UZ. Or, E de moins Z, comme on a montré lors de l'étude de la symétrie, qu'elle a moins E de Z. Donc, moins E de Z fois moins UZ, ça donne moins, ça donne un plus. Donc, égal E de Z et SP2. Ce terme quitte l'intégrale et on trouve E de Z SP2, la surface de base numéro 2, qui est égale à la surface de base numéro 1 que j'ai noté SB. Soit alors le premier membre, c'est-à-dire le flux de DS le long de cette surface fermée égale E de Z fois SP plus 0 plus E de Z fois SP ou bien 2 fois E de Z fois SP. Passons maintenant au second membre du théorème de Gauss, c'est-à-dire la somme des charges intérieures à cette surface de Gauss sur epsilon 0. Mais ici, la somme des charges intérieures à la surface de Gauss, si on revient à cette surface de Gauss, on remarque que la somme des charges sont répartis dans ce disque. Donc, la somme des charges intérieures à la surface de Gauss égale double intégrale sur cette surface qui vaut
qui est égal à la surface de base numéro 1 ou bien la surface de base numéro 2 que j'ai noté SB, sigma fois dSB. Sigma étant une constante puisque la nappe est uniformement chargée, qui est alors l'intégrale, double intégrale SP dSB n'est autre que SP, donc sigma fois SP. Revenons maintenant au théorème de Gauss et faisons égalité premier membre, second membre. Donc le premier membre vaut 2 fois E de Z SB et le second membre c'est la somme des charges intérieures ou bien sigma SB sur epsilon 0 sur epsilon 0 ici. Ici on peut simplifier avec SB et on trouve que E de Z vaut sigma sur 2 epsilon 0 qui est une constante. Faites attention, ici, d'après cette représentation, j'ai supposé que Z est une valeur positive, ce qui me permet d'écrire le vecteur E de Z pour les valeurs positives de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0 UZ, donc il est porté par UZ après l'étude de symétrie, et pour les valeurs négatives de Z, c'est son symétrique, donc il va être porté par moins UZ, soit alors E pour les valeurs négatives de Z égale moins sigma sur 2 epsilon 0 U de Z. Ces deux expressions peuvent être rassemblées en une seule expression qui s'écrit E de Z égale sigma sur 2 epsilon 0, valeur absolue de Z sur Z, UZ. Donc, pour les valeurs positives de Z, valeur absolue de Z égale à Z, donc Z sur Z vaut 1 et on retrouve cette expression. Et pour les valeurs négatives de Z, valeur absolue de Z vaut moins Z, donc moins Z sur Z vaut moins 1 et on retrouve cette expression. Ici, j'ai fait une représentation de E de Z en fonction de Z. Donc, E de Z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 pour les Z négatives, pour les valeurs de Z négatives, et sigma sur 2 epsilon 0 pour les valeurs positives de Z. Remarquez la discontinuité au niveau de la nappe, donc pour Z égale à 0, et E de Z n'est pas défini en Z égale à 0. Avant de passer au calcul du potentiel, je vais noter cette remarque. Alors, la surface de Gauss avec laquelle on a travaillé, c'était un cylindre, mais on aurait pu travailler avec un parallélépipède rectangle. De hauteur 2 fois Z, tel que le plan X ou Y le coupe en deux parties, comme le montre cette figure. Et dans ce cas, les deux surfaces qui sont parallèles au plan X ou Y vont jouer le rôle des surfaces de base du cylindre et les quatre surfaces qui sont perpendiculaires au plan X ou Y vont jouer le rôle ou bien vont se comporter comme la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire ils vont donner des intégrales nulles lorsqu'on va calculer double intégrale EDS. Je passe maintenant au calcul du potentiel. Et on sait bien qu'on a une relation entre le champ électrostatique et le potentiel. Lorsqu'on a l'expression du champ électrostatique, on peut déduire le potentiel. Et si on a l'expression du potentiel, on peut déduire le champ électrostatique. Cette relation s'écrit le champ électrostatique égale à moins grade de V. Puisqu'on travaille dans le système de coordonnées cartésiennes, donc on doit rappeler l'expression du gradient dans le système de coordonnées cartésiennes. Donc, les composantes de l'opérateur gradient s'écrivent dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y et dérivée partielle par rapport à z. Il s'agit d'une grandeur vectorielle, c'est-à-dire si on applique ce gradient à une fonction v ou bien au potentiel v, donc le grade de v, ça va s'écrire, donc ou bien on peut le calculer. Si on dérive, si on effectue la dérivée partielle de v par rapport à x fois ux, plus la dérivée de v par rapport à y fois y, plus la dérivée partielle de v par rapport à z fois uz. Donc dans le cas général, pour un système de coordonnées cartésiennes, un champ électrostatique qui a trois composantes ex, ey, ez, ces composantes vont être moins la dérivée partielle de v par rapport à x, moins la dérivée partielle par rapport à y, moins la dérivée partielle par rapport à z. Or, dans notre cas, c'est-à-dire pour notre distribution de charge, la première composante, bien EX, vaut 0, la composante EY de E vaut 0, et seule la composante non nulle, c'est E de Z. Donc, tout ce calcul, ça va se résumer à l'expression E de Z qui dépend de Z, également la dérivée de V qui dépend aussi de Z par rapport à Z, puisque la fonction dépend d'une seule variable, donc il n'est pas nécessaire d'écrire dérivée partielle. Donc c'est moins la dérivée de V de Z par rapport à Z.
Soit alors le potentiel V de Z égale à moins la primitive de E de Z dz. Comme on sait maintenant l'expression de E de Z, on peut conclure l'expression de V de Z. Mais E de Z est défini par intervalle, c'est-à-dire E de Z a différentes expressions. En effet, pour Z positive, on a une expression. Et pour Z négatif, on a une seconde expression. Donc, pour Z positif, puisque E de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0, donc V de Z, ça va donner moins l'intégrale sigma sur 2 epsilon 0 dz. Donc, j'ai remplacé E de Z par son expression. On trouve moins sigma sur 2 epsilon 0 z plus constante. Et pour Z négative, je remplace E de Z par son expression. Et V de Z, ça va donner moins, c'est-à-dire plus. Donc, sigma sur 2 epsilon 0 dz ou bien sigma sur 2 epsilon 0 z plus une constante, mais on sait très bien que le potentiel électrostatique est une fonction continue. Donc, continuité du potentiel électrostatique, on va dire que pour Z égale à 0, V de Z pour Z, qui tend vers 0 plus égale à V de Z en 0 moins égale à V de Z en 0. Donc, moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z ou bien fois 0 plus constante, c'est 1. Égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois 0 plus constante 2, ce qui veut dire que constante 1 égale à constante 2, que je vais noter C. Donc, je trouve en définitive que V de Z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 Z plus C, C pour Z positive ou nul, et sigma sur 2 epsilon 0 Z plus C pour Z négatif ou nul. Si on veut représenter ce potentiel, remarquez que c'est une fonction affine, avec C étant l'ordonnée à l'origine, et c'est une fonction décroissante pour Z positive, et pour Z négative, c'est son symétrique, elle est donc croissante. Si C égale à 0, le potentiel se représente de cette façon. Donc on a le potentiel à une constante près qu'on peut la choisir. Alors, je termine à ce stade et à la prochaine. Merci.